Salut à tous. Aujourd'hui, je vais faire un petit tuto sur comment piloter un contrôleur de e-bike à distance avec une télécommande de modélisme RC. Pour ce faire, il faut récupérer un poignet d'accélérateur qu'on va l'ouvrir et puis récupérer le petit capteur Hall qui est à l'intérieur. C'est un genre de une petite puce, un petit transistor qui ressemble à ça, avec ses trois petites pattes, avec le plus et moins. Alors dessus on a le plus, moins et les signaux. Donc ça va, c'est quelque chose comme ceci. Et là on a le petit capteur Hall. Donc c'est très très petit, hein, c'est un gain de place. Donc il faut récupérer le petit capteur Hall et son câblage sans trop l'abîmer. Et ensuite récupérer les deux petits aimants néodymes qui se trouvent dans la poignée. Bon, elles sont juste collées, donc il faut les décoller. Voilà. Ces deux petits aimants néodymes. Après, il va falloir les repérer le pôle nord et la face pôle nord et la phase pôle sud pour que le capteur Hall réagisse en fonction de la distance. Voilà. Après, donc, il vous faudra que vous achetez un petit cerveau de modélisme. Celui-ci, c'est un petit cerveau qui fait 9 grammes. Donc on le trouve facilement dans les magasins de modélisme RC. Donc là il y a son palonnier. Il y a plusieurs types de modèles de palonnier, hein. Soit en croix, ou soit juste avec un bras, ou alors comme le mien, le disque. Donc on va venir fixer dessus, sur l'axe du cerveau. Et après, le cerveau sera piloté par le récepteur de la radio télécommandée. Alors, le but étant de coller les deux aimants sur le disque, sur un angle de à peu près, on va dire, un peu moins de 90 degrés, hein, par rapport à la poignée que j'ai démontée, c'est à peu près ça. Donc il va falloir mettre le pôle sud comme ça, et puis l'autre côté, le pôle nord comme ça. Et on va venir avec le petit capteur Hall, on va venir l'installer sur le cerveau, partie fixe. Donc la partie mobile, ça sera les aimants qui vont pivoter de droite à gauche. Et ça va simuler la poignée d'accélérateur. Voilà. Alors, ici, je vais venir coller mon petit capteur Hall là-dessus. Donc il va falloir faire un petit encoche là pour pouvoir glisser le capteur Hall. Donc on va faire un petit essai. Donc là, je vais le l'insérer en force. Hop. Voilà. Après, il suffit de régler le capteur Hall pour qu'il se rapproche au maximum du petit palonnier en haut là. Donc là, on laisse un petit peu de jeu pour qu'il puisse capter les aimants. Mais normalement, il y a largement de quoi faire. Donc, on va l'immobiliser et puis le coller. Alors moi j'utilise de la colle, c'est du cyano, ça ressemble un peu, c'est comme de la colle, la colle super glue. Donc je vais venir juste mettre un point de colle histoire de le maintenir. Bon là j'utilise un accélérateur, c'est
C'est un accélérateur pour durcir le cyano en fait. Donc le capteur est collé. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement mettre de la colle à chaud. Coller le capteur avec de la colle à chaud. On peut faire ça aussi. Tac. Donc là, comme la colle n'est pas encore très très sec, je vais attendre un petit peu, puis on va poursuivre tout à l'heure. Alors là, j'ai collé mon capteur Hall qui se trouve là, ici. Donc mon petit palonnier, mon récepteur RX radio. Je vais le avec ma télécommande qui est là. Je vais régler le neutre. Donc là, j'ai le maximum. Et là, le minimum. Donc là, je suis au neutre. On va repérer le point neutre qui sera ici. Et le point haut qui sera ici de ma radiocommande. Et le point bas ici. Donc en fait, là j'ai juste tracé les deux courbes, les deux angles du mouvement du cerveau. Donc il est important parce qu'il faut pas que les aimants touchent le capteur et dérèglent la position. Donc là, on va faire une petite encoche et puis je vais coller les aimants pour qu'ils se viennent en face du capteur pour détecter le champ magnétique. Donc avec un petit cutter, je vais faire une petite encoche pour pouvoir coller l'aimant dessus. Donc on fait juste comme ça, hein, un truc basique, très simple. Puis on va venir coller l'aimant comme ceci. Ça va ressembler à quelque chose comme ça. Alors, avant de coller vos aimants, il va falloir bien repérer sur les aimants le pôle sud et le pôle moins. Enfin, pôle sud et pôle nord, excusez-moi. Donc, pour le savoir, c'est simple, on met les deux aimants à coller ensemble et on sait qu'un côté c'est le sud et un côté c'est le nord, donc ils s'attirent. Donc voilà, puis après on va les coller sur le palonnier rond. Donc une fois avoir entaillé, j'ai repositionné mon palonnier. Donc il n'y a plus qu'à faire un petit test. Tac. Voilà. Donc tout est bon, il n'y a plus qu'à coller. Bon, voilà. J'ai fixé les aimants avec du cyano. Et une fois terminé, ça vous donne ça. Un petit essai. Tac. On va supposer que là c'est gaz à zéro. Et là, gaz à fond. Alors maintenant, on va passer au test. Le but étant de piloter un contrôleur e-bike à distance avec une radio télécommandée. Alors, petite descriptive vite fait. Ici, j'ai mon récepteur radio avec sa batterie. Et le cerveau qu'on a modifié avec les aimants et le capteur Hall. Donc, en fait, le principe, c'est de reproduire exactement le même poignée d'accélérateur. Donc,
C'est juste pour miniaturiser tout ça. Comme ça, on est en direct. Alors, j'ai fait un petit dessin vite fait du capteur Hall. Donc, pour les poignées de gaz, c'est un capteur Hall à effet linéaire. Donc, il fait un signal de 0 à 5, à 6 volts. On a la pâte plus, moins d'alimentation en 5 volts. Et le signal à droite. Alors mon contrôleur e-bike, c'est 36 volts, 48 volts, 200, 350 watts, alimenté avec mon pack batterie et lipo, c'est du lithium. Donc les packs batterie et lipo, c'est du 3x4S 48 volts. Mon cerveau est câblé sur récepteur et le capteur Hall est câblé sur la poignée du throttle du contrôleur. Bon, ici j'ai mes trois phases moteur là et la fiche des capteurs Hall, je les ai pas branchés, hein, c'est juste pour faire un test. Donc on va passer à l'essai. Je prends ma radio. Tac. Allez, c'est parti. Voilà. Donc là, je pilote l'accélération à distance avec une radio télécommandée. Alors, pour ceux qui ne savent pas utiliser les cartes Arduino, parce qu'il est possible de convertir une carte à signal RC via le récepteur directement de la sortie sur une carte Arduino qui lui va convertir le signal un signal fréquence radio sur un signal analogique. Parce que le contrôleur exploite un signal analogique pour piloter le moteur, le variateur plutôt. Donc pour éviter cela, j'ai fait un petit tuto vite fait pour pouvoir utiliser un cerveau directement pour simuler une poignée d'accélérateur. Donc c'est très simple et facile à faire. Et c'est compact. Voilà le petit test. Voilà le pilotage à distance avec une radio télécommandée. Merci à tous. Alors, un autre petit test, juste pour vous montrer qu'on peut utiliser une autre voie ou une autre télécommande pour faire juste le on-off pour démarrer le moteur. Donc voilà, c'est pareil, c'est le même principe avec les gaz, sauf que j'ai mis sur un canal différent. Voilà. Voilà. Marche du moteur et arrêt. Donc le petit cerveau qui bouge en même temps. Voilà. Donc cette fonction permet de piloter un moteur à distance juste avec un bouton pour faire la marche arrêt. Voilà. Donc forcément c'est tout ou rien, il n'y a pas de variation de vitesse. C'est du on-off. Voilà.